un message. Ça y est. Attends. Et ça fait bim bam boum. Y'a tout qui tourne. Ça fait bim bam boum. Je sais pas danser ni chanter. Ouais. Salut internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Plutôt une ancienne vidéo qu'on n'a jamais sortie. Mais bon, vous comprenez, c'est le confinement, patati patata, bref. Avant que cette vidéo commence, vous savez, je vous ai déjà parlé de Hiprono dans mes anciennes vidéos. C'est tout ce qui concerne les paris, mais sur les jeux vidéo. Donc si t'es fan de jeux vidéo et qu'en plus je veux gagner de l'argent, c'est le bon plan assuré. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'ai eu énormément de bons retours sur les gens qui avaient parié et qui avaient suivi mes conseils en suivant les conseils de Hiprono. Donc les amis, pour tous les sceptiques, n'hésitez pas à leur acheter. Il y a un pronostic gratuit, celui que vous voyez ici, pour savoir sur quelle équipe il faut miser. Rajoutez-le sur Snapchat, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Après, à vous de voir si vous voulez miser de l'argent ou pas. En attendant, vous pouvez le suivre, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits pour les mineurs, mais acceptés pour les majeurs. Merci. Salut internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je suis vraiment dans un état éclaté, j'ai pas dormi de la nuit. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a zoné plusieurs jours, hein. Et plusieurs nuits, même je dirais, on a zoné même plusieurs nuits pour essayer de prendre en flagrant délit des gens qui se font passer pour des policiers, qui contrôlent d'autres personnes et qui leur dérobent des papiers, des téléphones, tout ça. C'est des gens qui nous ont envoyé des messages sur Facebook, qui nous ont fait plusieurs signalements, qui nous ont dit voilà, ils ont peut-être telle voiture, on a vu ça, qui se sont fait avoir par ces gens et qui n'ont pas su vraiment... porter plainte parce que ils n'avaient pas les noms de personnes, les plaques d'immatriculation elles changeaient sans arrêt et que voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé plusieurs fois sur les endroits où les gens s'étaient fait contrôler, c'est-à-dire dans le 13e arrondissement sur Marseille, tout ça pour ceux qui connaissent, et on a zoné dans tout le secteur jusqu'à les croisés. Et à un moment donné on les a croisés. Donc je vous laisse regarder cette vidéo tranquille pour savoir ce qui s'est passé, et regardez-la jusqu'au bout parce que vraiment c'est vraiment pas mal, c'est ahurissant ce qui s'est passé. Voilà. Donc on se retrouve à la fin pour une conclusion. Et bon visionnage à tous. Ciao. Voilà, c'est le deuxième jour qu'on tourne un peu dans Marseille. Toujours pas de 3008 de voitures suspectes à l'horizon, toujours pas de contrôle, toujours pas de rien quoi. Rien, c'est vraiment vide. Il n'y a personne, il est 11h30 du soir. Il n'y a vraiment rien. Là franchement pour l'instant je vois rien du tout. On s'est même pas fait contrôler par la vraie police. Donc pour vous dire vraiment qu'il n'y a vraiment personne quoi. Alors, regardez, j'ai mis la capuche et j'ai mis le bonnet exprès justement pour que il n'y a rien du tout. On ne se fait pas contrôler. Donc on verra bien. Mais on retente demain. Je me sens pas. Tu as pas aimé? Ah ouais. En vrai, c'est de la vie cette vidéo. Tu sais quoi, on est en train de perdre notre temps pour rien. Cette vidéo ne sortira jamais. Parce qu'il n'y aura rien du tout. Voilà. Tu vois, autant des fois je me dis, mais là vraiment c'est vide quoi. On passe par les traverses. Vraiment, c'est même pas eux qui nous cherchent, c'est nous qu'on les cherche là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on voit demain. Ouais, je suis fatigué moi en plus. Allez, à demain alors. Voilà, on est du côté de la Batarelle. C'est le troisième jour qu'on tourne. Je crois que c'est le dernier. Vraiment, je pense que ça va être le dernier. Je pense que là, on filme même pour rien. Vraiment, je suis persuadé qu'il n'y aura rien du tout. On est encore dans le 13e arrondissement. Aucune voiture de police. À part avant-hier, il y avait une voiture que vous avez vue sûrement. Si la vidéo elle sort, vous le verrez. Là, toujours pas de voiture de police. Toujours pas de contrôle. Rien du tout. Pas de 3008. Pas de voiture suspecte, comme je l'ai dit, hier dans la vidéo que vous avez vue. Donc on tourne et puis on verra bien. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on prend la caméra et on filme. Donc on va pas filmer pendant 2 heures, gaspiller la batterie, tout ça, gaspiller la mémoire qu'il y a sur la carte. S'il y a quelque chose, on filme. Voilà, tout simplement. Donc peut-être à tout à l'heure ou peut-être pas, je sais pas. Ciao l'équipe. Vous connaissez, non? Oui, sur internet sûrement. Ouais, sur internet sûrement. Ouais. Vous faites quoi, des vidéos? Ouais, c'est ça. Kamoff. Hein? Kamoff. Sauf des chiens, sauf des... Ah ouais, ah bah c'est deux, ça. Voilà, bah c'est nous. Bon, allez, bonne soirée. Merci les gars, bonne continuation, bon courage. Merci. Bonne à la prochaine. Bonne fin. Ouais. Merci. Au revoir. Merci. Quatrième jour, on est du côté de Château Gombert.
Donc, mis à part le contrôle de police d'hier soir, que d'ailleurs les gens nous ont reconnus, la police nous a reconnus, donc ben, c'est bien passé. Mis à part ça, rien à l'horizon. Il est approximativement comme, comme les jours d'avant, il est 11h30, presque minuit. Ben voilà, on attend et j'ai presque plus d'essence, donc je vais pas gaspiller mon temps et de l'argent sur de l'essence. Tu vois, on est sur la réserve. Voilà, on a tourné pas mal ce soir, on a fait que ça. On a plus tourné que les autres jours ce soir. Et regardez, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien, l'essence, il n'y a rien non plus. Moi, l'envie, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc, je pense que cette vidéo ne sortira jamais sur YouTube. Et que, ben, au final, c'était peut-être une connerie. Et c'est même sûrement une connerie parce que, ben, là, je parle pour rien en fait, parce que la vidéo ne sortira pas. Au revoir. Et tu revois qui? Au vent? Au revoir, le vent. Merci de me regarder. Ça fait plaisir, le vent. Ciao, le vent. Merci, le vent. Voilà, merci les faux signalements aussi. C'est cool. Bon, là, apparemment, tu vois, ça fait. Ils commencent à nous suivre. Ils nous suivent depuis tout à l'heure. Tu vois? Donc, soit. Mais en tous les cas, je pense qu'on va se faire contrôler. Je pense qu'on va se faire contrôler. Et apparemment, de ce qu'on nous a dit, tu vois, ça correspond bien à la voiture et ça correspond. J'arrive pas à voir la plaque de là, tu vois. Mais. C'est la première fois que je veux qu'on me contrôle. C'est la première fois. Ça va bien tourner. Là, ils nous suivent depuis tout à l'heure. Tu les vois? Ouais. Ils vont nous suivre jusqu'à où, frère? C'est ça le problème. Ça va à gauche, y'a rien s'ils nous suivent, c'est que ça. Je vais faire deux fois le tour du rond-point. Ouais. Hein? Je fais deux fois le tour du rond-point et s'ils nous suivent, ça veut dire que c'est. Que c'est. Tu les vois dans le rétro et tout, toi? Déjà, ça me suit. Il nous suit encore? Ouais. Bon. Bon, là, c'est bon, c'est clair et net que, à un moment donné, je sais pas jusqu'à où il va nous suivre, mais de tour de rond-point, là, je tourne à gauche, là, je tourne à gauche. C'est bon, frérot, qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois ce que je veux te dire? Ça crée un peu. Clair et net, frérot. Donc, allez, tout à l'heure, il nous suit, frère. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur pour voir ce que ça donne. Ça stresse. Hein? Ça stresse. Ah ouais, ça stresse, frère. Je sais pas qui c'est, où. Parce que si c'est vraiment des c'est pas des flics, frérot, c'est des mecs qui sont dangereux, tu vois ce que je veux te dire? Ah, je fais demi, j'ai même plus envie de tourner la vidéo, viens, fais demi, ils ont mis le giron. Tu le vois, le giron? Non, appelle-toi ça, putain. Tu vois pas le giron? Ils ont mis le giron. Ah. Tu le vois? Pas dans la caméra. Ah, je vois. Filme un secret, frère. Essaye de filmer un secret. Oh putain, c'est bon. Je mets la ceinture. Il va me dire pour la ceinture. Vas-y, mets-la vite. Bonsoir. Bonsoir. Accueillez votre véhicule, s'il vous plaît. Sortez de la voiture. Tu n'as rien à déclarer, monsieur? Non. Je fume pas, je bois pas. Bon, on est dangereux sur vous. Et tiens? Non, je fume pas. Pour le coffre, s'il vous plaît. Des habits, des affaires. C'est ton charret? Non, regardez si vous voulez, allez-y. Papier du véhicule, carte d'identité, carte grise. Ouais. Et vous, monsieur, vous avez le pied d'identité? Ouais. Carte grise. Permis. Ouais, je vais contrôler ça. Vous avez un téléphone sur vous, monsieur? Oui, un téléphone. Je peux voir, voir votre téléphone, s'il vous plaît? Pourquoi mon téléphone? Pour ce qu'il y a dedans. C'est une blague. Non, pas du tout. Mais pourquoi le téléphone? J'ai jamais vu ça. On m'a jamais contrôlé, on m'a jamais demandé le téléphone. Monsieur, je vous demande de sortir votre téléphone. Mais je le sors, mais je vous le donne pas. Voilà, c'est mon téléphone, quoi. J'ai des trucs confidentiels dedans, je vais pas vous passer mon téléphone. S'il vous plaît. On va procéder à quelques vérifications. Si on vous demande quelque chose, si on vous demande le téléphone, c'est que
on va rester ici pas mal de temps. Oui. Merci. Je crois que vous avez suivi, donc... Ouais, mais ça fait au moins 5 minutes que vous me suivez. À un moment donné, on m'a jamais demandé le téléphone pour un contrôle, c'est la première fois qu'on me le fait ça. Maintenant, vous le demandez. Faites vite vérification, je crois, parce qu'on est pressé avec mon ami, on va aller à... Je vais vous demander de rentrer dans le véhicule, d'accord? On va vérifier, ouais. Et après on vient me voir. C'est par le téléphone, pourquoi vous me gardez? Par rapport aux attentats. Aux attentats, aux dangers, hein, au potentiel qu'il y a dans le quartier. Vous gardez ce téléphone aussi? Vous faites des vérifications sur ce téléphone? On va vérifier. On va contrôler. Donc je vous demande de rentrer dans le véhicule, s'il vous plaît. Comme vous n'avez pas le temps, donc vous allez attendre un peu plus. Voilà. C'est gentil, merci. Ouais, bon. Vous avez mon téléphone? Hein? Vous avez mon téléphone? Oui, ils ont le mien aussi. Ils ont mon téléphone et le tien. Ils ont mon téléphone, ils ont le tien. On t'a déjà demandé ton téléphone quand on te contrôle? C'est la première fois qu'on fait ça, vous. Je crois que c'était vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Le gros, il s'arrache, frère. Mais attends, c'est une blague, frère. Ah, c'est... C'est une blague, gros. Moi, je suis choqué. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Frère. Oh, qu'est-ce que c'est, ces gens? Ouais, mais attends, gros, ils ont mon téléphone et le tien là. Faut pas que je les laisse partir. T'as pris la plaque d'immatriculation? Non, je pense que je l'ai la vidéo, mais. Ils sont fous, les mecs. Bon, y a tout dans mon téléphone, frère. Y a tout, y a mes codes de YouTube, y a mes trucs bancaires, y a des photos de. Y a tout, ils ont ma carte d'identité et tout, gros. Ils vont où là? Ils vont où, frère? Ils veulent que je leur rentre dedans ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est... Ah, voie des bus et tout, normal. Mais qu'est-ce qu'ils font, gros? Ah, je vais serrer. Je vais serrer, frère. Je vais leur rentrer dedans. Oh, j'ai un Merco dans les mains, frérot. Je les rattrape comme je veux. Oh, sur le coup, tu sais quoi? J'ai même cru que c'était des vrais flics. Ouais, ouais. Ils le font bien, en tout cas. Ouais, c'est grave. Bravo. Ça se voit qu'ils ont l'habitude, parce que tu peux avoir une Ferrari dans les mains, frère. Mais je vais les perdre de vue, gros. Attends que je les attrape. Même si on leur fait du mal, frère, on met pas la vidéo. On met pas la vidéo sur YouTube, y'a rien à foutre. Rien à foutre. Là c'est plus important que YouTube, tu vois ce que je veux te dire. Je veux récupérer mes affaires. Je veux juste récupérer mes affaires. Je les lâche pas. Ils prennent ta carte grise, ta plaque d'immatriculation, ils font des doublettes après. T'as compris pourquoi ils font ça? Après ils revendent les papiers, je sais pas moi ce qu'ils font. Ils ont mon permis et tout, gros. Wesh. On en rentre putain. T'inquiète, je vais t'achouer. T'inquiète pas, va. Bon, ils ont tourné où tout à l'heure? Ils ont tourné où là? À droite, là-bas. Là-bas. Putain. J'ai niqué la voiture et tout pour eux là. La vidéo super cool, hein, toujours à vouloir faire des trucs bien, tu vois. Après, si c'est nous qu'on se non, il y en a un qui cavale, frère. Il y en a un qui sort de la voiture, tu le vois? Ouais, je sais pas où il est, l'autre. Il m'a lâché comme ils ont laissé la voiture. Viens, voir. Non. Allô. Il y a mon téléphone, il y a la carte grise, ma carte d'identité, le permis. Et son téléphone, c'est fait la dedans. Laisse-moi. Non, c'est ce qu'on va faire. Non. On va te laisser là. Eh, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons mis là, il s'est mis là tout seul. Ah, mais il s'est mis là tout seul ou pas? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que, regarde, on va prendre les clés. Ah, ça c'est vraiment, ça fait, j'en ai fait des caméras, j'en ai fait des expériences sociales, mais des trucs comme ça, j'en ai jamais vu. Bah. Regarde, t'as encore du chemin à faire. Regarde. Ton collègue, il était plus malin que toi, il s'est là. Toi, t'as dans une impasse en plus. T'es vraiment débile, hein. Je vais appeler la police, d'accord? Ouais, laisse-moi, s'il te plaît. Non, je vais appeler la police. Vas-y, tranquille. Tranquille, frère. Quoi, tranquille, frère, un jour, vas-y, je t'appelle la police, je te retrouve. Eh ben, regarde. Je te retrouve. Votre téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout
entendu, je serai sanctionné. Il va venir chercher ceux qui vont venir te ramener à la maison. Ah, laisse-moi, s'il te plaît. Non, non, pourquoi non, c'est vas-y, vas-y. Il vient de mettre des coups de pied en plus. Allô. Oui, bonsoir, je compte. Oui, bonsoir, monsieur. C'est juste pour vous signaler, il y a deux jeunes qui se font passer pour des policiers et qui apparemment sont coincés. Il faudrait vite venir les voir parce qu'il y en a un qui est coincé là en fait et on est avec lui. Mais il va pas tarder à partir. Si la veste s'est déchirée un peu plus, il va partir. Et vous êtes à quel arrondissement? Dans le 13e, on est dans le 13e, du côté de Château-Gombert. On est à la rue. Alors attendez, je note. Mille comment on va... Faites vite parce que la veste est en train de se déchirer. Il y a leur voiture, à mon avis, c'est une voiture volée aussi. Et ils ont plein de trucs dans le coffre et tout. J'ai regardé, il y a plein d'affaires qui sont pas à eux. Voilà, ils sont passés pour des policiers, ils font des contrôles et. Donc voilà, on est à la. Au bout, à l'impasse. Et le mec il est accroché là. Hein? Allez, merci. Bonne soirée. La voiture, de toute façon, j'ai pris les clés, je t'ai laissé la lumière un peu. Hein. J'ai pris les clés, comme ça je peux même pas partir. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Il y en a 640 000 qui l'ont fait. Si toi tu l'as pas encore fait, c'est que c'est pas bien, c'est pas bon. Si tu as kiffé la vidéo, c'est un devoir. Et si tu ne portes toujours pas notre marque de vêtements, tu peux te rendre sur le site www.futuratech.com et tu verras qu'il y a plusieurs articles et il y en a même qui sont susceptibles de te plaire. Donc la morale de cette vidéo, c'est de faire attention car il y a des gens, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, qui s'amusent à se déguiser en civil, en flic civil et vous demandant vos papiers. Votre carte d'identité, ça peut aller loin, hein. Il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça. Donc à chaque fois, c'est malheureux pour la vraie police, mais demandez toujours le matricule de l'agent que vous avez en face de vous. Et si il vous le donne pas, refusez le contrôle parce qu'à tout moment, ce sont des faux flics. Donc voilà les amis, on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé et faites attention à vous. Ciao.